Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes lundi et il est déjà tard, il est presque 11h parce que je rentre en fait de chez la psy. Voilà, je suis allée en consultation avec la psychologue de Adam pour faire le point et il s'avère que le rendez-vous était vraiment agréable. On a beaucoup discuté d'Adam principalement, enfin ouais super ouais. Et en fait, on a beaucoup discuté, mais principalement de notre contexte familial, puisque comme vous le savez, voilà, trois séparations avec Eric, tout ça, enfin, c'était vraiment pas l'idéal pour les enfants. Et donc forcément, la psychologue avait besoin de connaître vraiment la situation. Waouh ! Elle avait besoin de connaître la situation un peu plus en détail pour pouvoir un peu mieux cerner Adam et puis voir si, être sûr aussi qu'il n'en souffrait pas de cette situation. Elle semble dire que non, enfin ça n'a pas aidé en tout cas, mais que le problème de base c'est pas ça. Donc on cherche, on part toutes les deux sur la piste de la naissance en fait, puisque Adam il a eu une naissance assez agitée. Ouais, on va dire ça, agitée et douloureuse. Donc elle pense comme moi qu'effectivement ça pourrait être la cause. Donc voilà. Du coup, j'avais rendez-vous à 9h30, donc j'ai emmené les enfants à l'école. Je suis rentrée, j'ai commencé à remplir le questionnaire en fait que je dois remplir. Tous les enfants. Oui, il y en a un qui est très content parce qu'il a pas école le lundi. Nanana. Du coup, il est à la maison. Nanana. Et donc, quoi ? N'importe quoi. Du coup, lui, il est très content d'être à la maison. Et donc là, on va partir chez Laura en fait. On va aller boire un petit thé avec elle parce qu'aujourd'hui, son petit loulou, il fête ses 1 an. Donc, du coup, elle m'a proposé de passer. Donc, on va y aller. Et puis, après, j'ai du ménage à faire, mais on verra ça cet après-midi. Comme il va venir avec moi. Et puis voilà. Du coup, oui, je disais, j'ai commencé à remplir le questionnaire pour Adam parce que en fait, il a rendez-vous avec un neuropédiatre. Alors, c'est un rendez-vous qui a été pris il y a 1 an. Hein. Si on m'avait dit aujourd'hui de prendre un rendez-vous, je pense que j'aurais trouvé ça peut-être inutile. Enfin, bien que je ne sais pas. Parce que son comportement n'a quand même pas changé. Et puis, au niveau de l'école, j'attends de voir. Mais la semaine dernière, en fait, lundi, la maîtresse m'a dit « Adam, comportement exemplaire, travail exemplaire ». Je me suis dit « Waouh ». Et jeudi, la même chose. Donc, il a eu que 2 jours d'école la semaine dernière et les 2 jours étaient comportement exemplaire, travail exemplaire. Donc, j'attends de voir. Il a dit dans sa prière ce matin, bénis-moi pour que ma journée soit aussi bonne que la semaine dernière. Donc, je pense que lui aussi, il a envie que ça fonctionne en fait. Donc, ça me fait plaisir et honnêtement, quand la maîtresse, elle m'a dit ça, vous imaginez pas à quel point ça m'a rempli de bonheur de voir que déjà, il faisait les efforts et puis qu'il avait envie. Et puis qu'elle voyait ses efforts et puis enfin tout ça c'est un mélange de sentiments mais vraiment ça me tenait à cœur et là je suis vraiment vraiment contente de voir que ça se passe bien. Donc c'est parti, on va partir chez Laura et puis du coup on ira chercher les enfants ensemble hein, puisque du coup Luna elle retourne à l'école avec Marceau. Donc voilà. Bon du coup, on y va ? Ouais. Tu mets tes chaussures ? Yes. Allez, c'est parti. Bon, je vous reprends, il est 12h37. Nous sortons de table, tout juste. Même pas. Je viens de finir mon yaourt et les enfants finissent le leur. Oui. Alors, j'ai un malade et un malade imaginaire. Alors, j'ai Adam qui se plaint d'avoir mal au ventre depuis avant qu'on se mette à table. Mais depuis que je suis à l'école. Ah, même à l'école, t'avais mal? Le corona. Là, deux. Tu te retiens deux. De faire ma crise, mais là je peux plus. C'est énorme. Donc il a hyper mal au ventre, donc il a réchauffé la bouillotte. Si t'as fini ton yaourt, va te rallonger avec la bouillotte. Ok. Il va s'allonger avec la bouillotte pour voir si ça aide à passer la douleur. Mais comme il a mal au ventre, du coup Marceau a mal au ventre aussi. Ah voilà, oh, ça le reprend là. Aïe aïe aïe, c'est trop dur. Maman, tu gonfles. Donc un peu. Non, ils sont beaux, t'es tout blanc, là. Oh, écœurant. Donc, on va voir. Je sais pas du tout à quoi est due cette visiblement très forte douleur au ventre. Allez, moi. C'est aléatoire. Hein. Il a mal, il a plus mal, il a remal. Ah, ça, c'est dans les bonnes.
Donc bah là du coup, on va prendre notre temps parce que les enfants repartent que dans une heure. Donc je vais débarrasser la table. Si vous voulez vous mettre la télé, vous pouvez vous mettre la télé. Je vais débarrasser la table. Ah non, juste. Il y a la vaisselle à vider. Oh, je veux pas tout faire toute seule. C'est pas normal. Ok. Donc. Je vais vous débarrasser de la vaisselle et je débarrasserai la table. Ok? Ça va ou pas? Ça va ou pas? Oui. Ok. Merci bien. Maman, j'ai sauté, j'ai bougé le tête dans le Donc, je vais attendre qu'il vide le lave-vaisselle. Ensuite, moi, je vais aller remplir le lave-vaisselle. N'est-ce pas? Ouais. Viens faire un petit câlin à ta maman. D'abord, que t'aimes. Moi, t'as sali ton t-shirt. On va les changer. Ce matin, il me dit, ça c'est le t-shirt, c'est un des t-shirts que je vais acheter sur Vinted, dans sa petite commande Vinted. Et donc, il est neuf. Enfin, neuf. Il est d'occasion, mais pour lui, il est neuf. Et ce matin, je lui sors, il me fait, waouh, le t-shirt de beau gosse. Il te plaît, hein? Il est beau, ton t-shirt. On va aller chercher l'autre, du coup, on va le changer, celui-là. Parce qu'il est tout seul. L'autre? Quel autre? Bah, le deuxième neuf. Neuf d'occasion. Le non, franchement, ils sont en état impeccable. Je sais pas si vous voyez là, sur Marceau, le t-shirt, je l'aurais acheté dans le magasin hier, on fait pas la différence. Hein. Il est impeccable. Les coutures n'ont pas tourné, la matière, elle a pas bouloché, enfin, tout est impeccable. Le col, il est pas usé, rien du tout. Franchement, comme au magasin. Ouais. Et franchement, bon, ça a pas été le cas de toutes les commandes que j'ai passées. Mais pour la plupart, franchement, c'était quasi comme neuf, quoi. Donc, non, vraiment, je suis très, très contente. D'ailleurs, je m'étais dit que la dame qui m'a vendu ces vêtements-là, je pense que je vais m'abonner à son compte. Comme ça, quand elle mettra en ligne le 5 ans et tout ça, eh ben, je recommanderai. Parce que vraiment, c'est en super état. Moi, c'est comme ça que je fais, en fait. Je garde les bons contacts. Et puis, bah, je suis pareil pour Com. La dame, elle met régulièrement des articles en 11-12 ans. Bah, j'irai piocher chez elle hein, quand j'en aurai besoin. Donc, t'es un coquin. Hein. Allez, on va changer ton t-shirt. C'est qui ça? Bon, on vous reprend. Il est 16h05. Et en fait, on est parti se promener avec Com. Alors, on est dans le parc de notre commune, hein, tout simplement. Donc, si vous regardez, en fait, derrière ce que vous voyez là, c'est la périscolaire, en fait. Et là-bas, c'est le stade. Et nous, là, il y a le petit parc de jeux où on vient d'habitude. Et en fait, nous, on va aller au fond, là-bas. Derrière, il y a le... On va s'avancer, hein, vous allez voir. En fait, il y a un petit étang. Donc, bah tiens, regarde, ils ont tendu pour faire le chemin. C'est parfait. On va marcher sur le petit chemin. Et puis, on prend l'air, en fait. Ça nous fait du bien. En fait, on allait faire un jeu de société. Ouais. Et puis... Je dis à moins que c'est un repère pour les tuyauteries, hein, les arrivées d'eau et tout ça. Et en fait, je lui dis à moins que t'aies envie d'aller te promener, on aurait pu aller se promener. Et là, il me fait « Oh ouais, carrément !» Du coup, on a dit « Allez hop, on sort !» Bon, en fait, on est sorti un peu tard. Donc du coup, là, en fait, on va juste avoir le temps de faire le tour de l'étang et puis on va devoir aller rechercher les gars à l'école tout de suite. Mais c'est sympa quand même. Le parc, il est vraiment agréable. Et donc là, je vous montre, en fait, on a l'étang qui est juste là. Et nous, du coup, on va faire tout le tour de l'autre côté jusque... Voilà. Donc, on a du temps pour marcher. On en profite pour papoter un petit peu. Ouais. Non ? Pas qu'un petit peu. Comme il voulait absolument... en fait, j'ai pas compris tout à l'heure. Non, on s'est mal compris et il a eu un petit chagrin. Donc, du coup, il s'est vexé un petit peu. Mais il y avait pas... Pourtant, il n'y avait pas matière. Hein, mais on aurait dû prendre le pain. Ah oh, bah oui. Parce que c'est là, normalement, qu'on le donne. Bah, c'est pas grave, on reviendra ce mercredi. Ouais. On reviendra avec les gars mercredi. Ils ont annoncé tellement beau. Bah comme tu veux, si tu veux tu passes là, mais moi je fais le grand tour. Okay. J'ai besoin de marcher, faut que j'élimine. Bon bah du coup, on se sépare. Ouais, tombe pas dans l'eau hein. En fait c'est qu'il y a des petits des espèces de petits ponts, des petits pontons là, et du coup comme il adore marcher là-dessus. Voilà. Donc bon. Tout à l'heure il s'est vexé en fait parce que on a commencé à faire un jeu de société. Et moi j'avais beaucoup de choses à faire en fait. Donc ce matin quand il m'a dit ouais. Ouais, cet après-midi on va faire ça. Je fais non mais attends Com, je lui dis moi j'ai des choses à faire aujourd'hui. Je lui dis je comprends que
t'es pas à l'école et t'as envie qu'on fasse des choses ensemble, mais je vais pas pouvoir être avec toi toute la journée, quoi. Et du coup, il m'a dit, ah d'accord. Et puis, sans plus. Donc, ce matin, il a passé sa matinée sur la tablette. Donc, il me dit, on fait un jeu. Alors, je lui dis, bah oui, si tu veux, on fait un jeu. Donc, on a joué au gang de castors, on a fait une partie. Je suis désolée, je vous change de bras sans arrêt parce que ça fait mal au bras, en fait. Et en fait, donc, on a fait une partie de gang de castors, tous les deux. Et puis, je sais pas, à la fin du jeu, il m'a balancé ses cartes. Puis, il me dit, tiens, je te laisse ranger, hein, parce que c'est moi qui l'ai préparé. Moi, je m'attendais à ce qu'on fasse plusieurs parties, quoi. Je me suis dit, bon, bah, il a plus envie de jouer, c'est tout. Donc j'ai ramassé le jeu et puis bah, je me suis remise à plier mon linge, quoi. En fait non, il espérait, il ne l'a pas demandé, mais il espérait que je lui propose en fait qu'on fasse un jeu. Comme je ne l'ai pas proposé, il s'est vexé, il est venu s'installer dans le canapé. Et moi je me suis mise une vidéo en même temps que je faisais mon ménage et en fait il s'est vexé que voilà, je parte à mes activités et que je m'occupe pas de lui. Donc du coup je m'en suis voulu. Donc... Mais j'ai eu du mal à lui tirer les verres du nez, il voulait pas me le dire. Je lui disais, tu boudes? Non. Donc, je me tais parce qu'il arrive. Donc voilà. Bon, bah, du coup, on va terminer notre petit tour. N'est-ce pas? Ouais. Et puis, on va aller chercher les gars à l'école. Bon, je vous reprends. Il est 22h20 et j'ai déjà monté tout le début du vlog. Donc là, j'ai plus que cette séquence à monter. Du coup, cet après-midi, on est allé chez Leclerc pour racheter des croquettes pour les chats parce qu'on était en rade totale, on n'avait plus rien. En gros, on leur a donné des pâtés sur la journée, mais j'ai bien vu que ça leur tenait pas au corps. Donc, même si moi, j'aurais préféré attendre demain parce que j'allais sur chemillé demain pour l'orthodontiste, du coup, là-bas, il y avait urgence. Donc, du coup, j'ai été quand même les chercher aujourd'hui. Faudra que j'y retourne demain, du coup. Du coup, j'ai discuté avec Adam et en fait, j'ai compris que son mal de ventre de ce midi, c'était tout simplement parce qu'il voulait pas retourner à l'école cet après-midi. Donc, ça m'a un petit peu contrariée parce que bah, toute la semaine dernière, ça se passait super bien. Il était super content et en fait, bah voilà, le retour à la classe normale, ça lui convient pas. Parce que forcément, vu qu'il y avait très peu d'élèves dans la classe, bah, la maîtresse était beaucoup plus disponible pour lui. Sauf que bah, là, tout le monde est revenu. Et donc, la maîtresse est beaucoup moins disponible, d'autant que elle m'expliquait en fait qu'elle a encore moins de temps qu'avant, puisque là, il passe déjà au moins un quart d'heure par séance de lavage de mains. Donc, la perte de temps, c'est énorme. Maintenant, voilà, c'est nécessaire, donc on va pas les blâmer, hein, pas du tout. Mais c'est vrai que, bah, du coup, lui, Adam, il le vit super mal. Donc, je suis un petit peu dégoûtée. Là, ce soir, j'ai essayé d'en parler avec lui, mais évidemment, on s'est fait couper la parole. Quand je lui ai demandé, je lui ai juste demandé, toi, ça a pas l'air de te convenir vraiment le retour à la classe normale. Et là, il m'a répondu, ah non, pas du tout, non. Et là, on a été interrompu par Elsa, donc du coup, on n'a pas poursuivi cette conversation. Mais je vais essayer de la poursuivre demain, puisque Elsa a rendez-vous chez l'orthodontiste demain soir. Et donc du coup, je pense que je vais emmener Adam avec moi. Et dans la voiture, pendant qu'on attendra Elsa, je vais essayer de discuter avec lui. Parce que quand on est à la maison, en fait, tout le monde coupe la parole tout le temps. Et j'ai beau dire, arrête de couper la parole, ben ça interrompt les choses et on n'arrive jamais à revenir là où on en était, quoi. Donc c'est pénible, très pénible même, mais voilà. Donc là, je lui ai fait plaisir. Il a fait passer... En fait, l'année dernière, dans sa classe, il avait un petit copain qui s'appelait Eden. Et là, cette année, dans sa classe, il a la cousine d'Eden. Donc du coup, je lui ai proposé, s'il voulait, qu'il fasse passer par Cali une petite lettre pour Eden, pour l'inviter à venir jouer à la maison, puisqu'il était demandeur. Donc du coup, il m'avait dit « Ouais, j'aimerais trop le revoir, Eden. » J'ai dit « Bah oui, mais Eden, c'était dans l'ancienne école. Moi, j'ai pas les coordonnées de ses parents. Je connais même pas son nom de famille, donc je pourrais même pas regarder sur les pages jaunes. » Enfin voilà, donc enfin les pages blanches en l'occurrence. Et du coup, comme il a cette année la cousine d'Eden dans sa classe, bah, du coup, on a fait passer une petite lettre par la cousine. Et enfin là, je lui ai fait la lettre ce soir, donc il la donnera demain. Et puis, si les parents le souhaitent, j'ai laissé mon numéro de téléphone. Ils pourront me rappeler pour que Eden et Adam puissent se revoir. Voilà. Donc, demain, je suis seule. Finalement, Elsa, en fait, elle s'est trompée. À partir d'aujourd'hui, elle reprend l'école en semaine complète. Donc, du coup, elle part demain matin à nouveau à l'école, mercredi, jeudi et vendredi aussi. Donc... Ben moi, je vais avoir un peu plus de temps pour moi, n'est-ce pas? Et ça tombe plutôt bien puisque, en fait, je dois faire les masques pour ma copine Emeline demain absolument parce qu'elle en a besoin. Donc, en plus, moi, je vais acheminer demain soir, donc je pourrais aller lui déposer, ce serait parfait. Et puis voilà, du coup,
Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, avec la psy, du coup, on a refixé un rendez-vous pour le 3 juillet. Donc, au début, j'avais peur parce qu'en fait, elle m'a donné rendez-vous à 16h30. Et 16h30, c'est l'heure à laquelle les enfants sortent de l'école. Donc, je me suis dit, bah non, mais je peux pas être à deux endroits en même temps. Et du coup, j'ai vu avec Laura et elle m'a dit, non, il y a aucun problème, je te prends les enfants, t'inquiète. Donc, c'est vraiment super gentil de sa part. Du coup, je suis assez inquiète parce que j'ai vu, j'ai constaté que filmer les vlogs avec mon téléphone, ça devient compliqué. Parce que pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous le savez, j'en ai parlé. En fait, j'ai des problèmes de son au début de mes vidéos, en fait. C'est-à-dire que quand je lance la caméra, il y a quelques temps de ça, déjà, ça avait commencé. Il fallait que j'attende à peu près 15 secondes. Avant de commencer à parler, parce que sinon, en fait, dans les 15 premières secondes, on n'entendait pas ce que je disais. Et au bout de 15 secondes, le son, il s'allumait. Donc, je pense que c'est parce que mon téléphone est oxydé, puisqu'il est tombé dans l'eau, en fait, à un moment. Et forcément, je pense que c'était au niveau du micro. Enfin, oui, c'est au niveau du micro et des haut-parleurs qu'il a été mouillé. Donc, je pense qu'il est oxydé. Malheureusement, il n'est pas très vieux, n'est-ce pas? Il a moins d'un an, donc je suis un peu dégoûtée. Mais du coup, il va falloir que je trouve une autre solution pour filmer les vlogs. Et pour le moment, je n'ai pas d'option. L'option, ce serait d'acheter une caméra, du coup. Sauf que mon projet premier, c'est d'acheter un ordinateur, surtout. Parce que c'est bien plus urgent pour moi d'avoir un ordinateur qui fonctionne correctement plutôt que celui que j'ai en ce moment, qui fonctionne déjà branché sur la télé, que quand je branche mon téléphone dessus, faut que j'attende à peu près un quart d'heure avant qu'il le reconnaisse. Mais là, en fait, le souci, c'est que depuis 2 jours à peu près, je suis plus obligée d'attendre 15 secondes, mais 1 minute avant que le son se remette correctement. Donc, je vous laisse imaginer la perte de temps tous les jours à chaque fois que je veux vlogger, de devoir attendre 1 minute avant de commencer à parler. C'est vraiment contraignant. Donc, il va falloir que je trouve une solution. Malheureusement, je peux pas utiliser le téléphone d'Elsa parce que la qualité vidéo, elle est atroce. Elle a un vieux téléphone, elle a un Honor 7S. Donc, il est pas vieux à l'achat, mais c'est un vieux modèle, en fait. C'est vraiment un ancien modèle. Il est clairement obsolète. Et du coup, la qualité vidéo est vraiment de très mauvaise qualité. Donc, je ne peux pas filmer avec son téléphone. Je sais qu'Anaïs, là, elle est sur le point d'en avoir un autre, normalement. Donc, je vais peut-être voir avec elle si elle veut bien me prêter son iPhone 7, si elle le revend pas. Et bon, en même temps, il est en mauvais état, donc je pense qu'elle va pas le revendre. Mais j'aimerais bien, ouais, si elle peut me le prêter en dépannage le temps que je m'achète une caméra. Comme ça, il ne me servira qu'à ça. Il ne me servira que pour monter les vlogs, pour filmer les vlogs, pardon. Et ça réglera clairement mon problème. Donc, affaire à suivre. Hein, donc, c'était tout pour aujourd'hui. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Non, je suis dégoûtée. Mon pied de courgette sur lequel j'avais 3 pouces de courgette, les chats me l'ont cassé. En fait, puisqu'ils n'arrêtent pas d'aller dans le potager. Et en fait, ils l'ont... Il était hyper beau, il montait bien et tout. Et en fait, ils ont dû taper dedans. Ils ont cassé la branche qui portait tout. Et donc, du coup, le pied, il est mort. Il est tombé, là, tout à l'heure. Donc, adieu les courgettes jaunes. Je suis dégoûtée. Donc, je vais voir si je peux replanter un pied. Mais à mon avis, c'est un petit peu tard, là, pour planter. Mais je vais voir. Si je peux en mettre un autre, ça serait bien. Par contre, j'ai planté mes pieds de tomates un peu trop près l'un de l'autre. Et du coup, ils se mélangent un peu les feuillages. Enfin bref, je sais pas si ça va les empêcher de pousser. J'espère pas. J'ai peur qu'ils s'étouffent l'un l'autre, en fait. Et je sais pas si je peux prendre le risque de déplanter un des deux et de le replanter ailleurs. J'ai des doutes, mais bon. Alors, est-ce que les courgettes, elles poussent jaunes au début et elles deviennent vertes après? Ou est-ce qu'elles poussent vertes du début jusqu'à la fin? Parce qu'en fait, j'avais acheté 2 pieds, un pied de courgette verte et un pied de courgette jaune. Et il me semblait que celui qui avait poussé, c'était le pied de courgette verte. Et en l'occurrence, les courgettes sur le pied, elles étaient jaunes. Donc, est-ce que... je sais que certaines s'y connaissent en jardinage, parce que vous m'avez déjà renseigné sur plusieurs choses. Donc, est-ce que vous sauriez répondre à cette question? Les courgettes, à la base, est-ce qu'elles poussent jaunes ou est-ce qu'elles poussent vertes dès le début? Parce que peut-être que j'ai interverti les 2 pieds, en fait. Je sais pas, je me suis peut-être trompée. C'est Elsa qui les a plantées. Donc, du coup, peut-être qu'elle a confondu les deux et qu'elle les a mélangées.
Voilà, bon bah sur ce je vais vous laisser parce que je pense qu'on a fait le tour de la journée. Donc, bah, je vais vous souhaiter une bonne journée et je vais vous dire à demain pour un nouveau vlog. Et puis bah, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de liker le vlog avant de partir si vous l'avez aimé. Et puis à vous abonner si ce n'était pas déjà fait. Et puis bah, je me répète, bonne journée et à demain. Ciao.